Et salut à toutes et à tous, c'est Saint-Vincent qui vous parle aujourd'hui. Une nouvelle vidéo, nouvelle dégustation, une big dégustation. Mais je vous rassure, je vais pas tout manger. C'est un plateau que j'ai fait faire là où je travaille. Et comme vous pouvez voir, il est magnifique, hein? Il est balèze aussi. Donc, nous avons petit cube de fromage, raclette, gouda en tranche, tomate. Crêpes de raisin, jambon cru, pâté croûte, saucisson, jambon blanc, beurre, jambonnette, salade. Il y a de quoi faire, hein. À ça, petit cube de fromage. C'est du Cantal, trop bon. La petite Monster, oui, c'est pas du Coca Zéro pour une fois. Et demain, je fais une brocante aussi. Je vous ai pas dit, mais je fais une brocante demain. Ah, désolé, je suis un peu à l'ouest, je suis un peu fatigué. Après une journée de boulot. J'avais encore jamais goûté le raisin rouge. C'est pas ce que je préfère. Non, c'est super bon. Il n'y a pas à dire. C'est incroyable avec les petites brochettes là. Petite tomate cerise. C'est un pur régal. Les cacahuètes, ça passe bien. Juste le raisin, je suis pas trop fan. Ah oui, il y a même de la salade aussi. J'adore le mélange, il est incroyable. Petit goût d'entranche. Ah. Normalement, demain, elle sort le 28. Celle-là, la vidéo sort le 28 septembre. Comme vous avez pu voir aussi sur les réseaux sociaux, moi je l'ai vu sur TikTok ce matin. Une actrice qui est décédée, malheureusement. Une très grande actrice qui jouait dans les films Harry Potter. Personnellement, je l'adorais, cette actrice. Elle est morte à 89 ans. C'est celle qui jouait le professeur McDo. Attends, mais je vais jamais réussir à son nom. McGonagall ou un truc comme ça. Je sais plus. Je sais que j'ai un peu écorché son nom. Dites-moi comment ça s'appelle exactement. Je sais que c'est un truc comme ça. Mais je l'ai vu, elle était morte le 27 septembre. Pile poil un an, jour pour jour, après le décès de celui qui jouait Dumbledore. Pile poil le jour, au jour près. Un an, jour près. Et bah, quand j'ai eu ça, j'étais super triste. Donc on veut leur rendre hommage. Donc, personnellement,
Merci à cette actrice qui a extrêmement bien joué dans cette série de films. Elle était incroyable. C'était l'une des sœurs professeurs qui restait vivante à la fin de la saga. Avec tous les autres professeurs, elle était morte. Enfin, mort dans les films. Dans la vraie vie, en acteurs principaux, ceux qui sont morts, c'est les deux de Dumbledore, Hagrid, Rogue et la professeure. Mais après, dans l'ensemble de tous les films, même les acteurs secondaires, il y a plus de 24 acteurs qui sont morts sur ces 20 dernières années. Pour moi, c'était les films, ils étaient incroyables. Ça a bercé mon enfance, mon adolescence. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé ces séries de films et tout. Hein. Pour moi, elles étaient incroyables. Donc, grosse pensée à cette actrice malheureusement partie. Comme quoi, rien n'est éternel, mais ils ont plutôt une bonne vie, une très longue vie aussi. Donc, voilà. Mais, enfin voilà. C'était le truc que je voulais te dire. Un peu triste, mais c'est comme ça, mais je tenais à en parler parce que pour moi, c'est une série, enfin des séries de films incroyables et tout. J'ai kiffé et tout. J'ai adoré, j'ai. Voilà, pas d'autres mots. J'ai vraiment adoré ces séries de films qui étaient incroyables. Et même 10-15 ans après, je les regarde encore. Comme on dit, c'est des films éternels, comme l'a dit l'acteur d'Hagrid. Même 50 ans après sa mort, les gens vont regarder. Parce que les Harry Potter, c'est unique en leur genre. Il n'y a pas beaucoup des films avec de la magie et tout. Enfin, des bons films. Enfin, bref. Grosse pensée à eux. Force à eux. Et respect. Ça restera dans le cœur. Enfin voilà, j'ai fait faire un plateau qui est monstrueusement balèze. Je pensais que j'aurais réussi à tout finir à manger, mais là, je vois que va être compliqué de tout manger. J'ai pris de la raclette aussi pour faire fondre tout. Incroyable. Bon là, j'ai pas trop mangé devant vous, mais je vais le faire en live. Donc ouais. On va se retrouver après. Non, espérant. En espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!